Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors ce soir, je vais là pour l'instant, je vais déjà farmer de l'huile de palme parce que j'en ai besoin pour poser la fonderie électrique. Ouais, j'ai un peu avancé ce week-end, mais pff, cache pas que pour une fois, le live, j'avais envie de faire une petite pause. Donc voilà, donc on va aller faire ça. Donc j'ai trouvé un mob qu'on donne. Du coup, on va aller chercher ça. Je reprends les copains et on est parti. Ouais, heureux. La fonderie électrique aujourd'hui. Ouais. Ouais. Alors, c'était où? C'était là, je crois. Ah ouais, c'est chiant d'y aller en plus. On va aller là. Bon, tu montes. Ah, super, le camp des braconniers de retour. Qu'est-ce qu'ils ont attrapé cette fois-ci dans leur filet? Bon alors du coup la fusion de pales pour faire un Ragnarok Noct ça ne fonctionne pas hein. Donc ça fait deux fois que j'ai des Relaxorus, je pense que ça doit être la bestiole par défaut. Donc du coup bah maintenant on le sait, c'est peut-être un truc qui sera débloqué par une mage, faudra qu'on voie ça plus tard. Dire que la map elle sera 4 fois plus grande par après. Ouais, ça ils en avaient parlé au dernier patch note là. Ouais, mais en fait, à certains endroits, quoique c'est un peu partout hein, qu'on peut voir l'arbre géant, eh ben, nous on est sur la première partie. Il y a encore trois parties qui Pourquoi vont. je peux plus lancer deux sphères? Mais c'est quoi ce merdier? Bordel de merde! Là, c'est l'ancien spot d'Enigma, ça avec tous ces cailloux de fer là. Bien réunis. J'ai l'impression que Nico a déjà déplacé toute sa base. Je la vois plus. Ah bon? Non, quand on l'entendait là tantôt, il avait la flemme. Hein. Et pas qu'un peu, hein. T'imagines Ouais. si moi je devrais le faire, moi je pète un câble. Mais il s'énerve même. Oui, ça le saoule, hein, ce qui est normal. Hein. Pas toujours facile, pas toujours gai Ah de. non. Non, non, ça va, elle est encore là, sa base. Il devait tout déplacer, tous ses pales. Deux là. Oh, vous êtes relou de sortir de la carte. Ouais, c'est insupportable. Ouais, sortir de la zone. Aujourd'hui, Enigma, je mettrai une affiche, hein. Portée disparue, hein. Ah Ah ouais, ouais? on l'a pas vu. Ah ouais? non, pas une seule fois. Ah, on a peut-être des soucis encore, hein, tu sais. Bon, chez Enigma, souvent le souci il se trouve dans la tête. Hein. Oui. Ah non, le gomos, je l'avais déjà. Bah, c'est pas grave. Hmm.
Ça. Non, mais c'est quoi ce truc? Je peux plus lancer deux sphères? Ouais, ça arrive par moment. Tu dois faire un décor ou quoi à chaque fois. Ouais, mais je viens de le faire. Sombre. C'est pas celui-ci, c'est pas grave. Ah ben je sais que lequel je vais aller faire. À moins que tu viennes te le faire. Quoi ça? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Tac, comment il s'appelle? Felbat. Ok. Felbat. C'est un seul cul ça. C'est un blanc en haut où tu as le Netherwing. En haut à gauche. Niveau 23. Oh non non, ça va, tu peux. J'ai pas fait ça. Ok, bah, je vais y aller. J'ai essayé de me le faire. Je l'ai produit. Ah tu le produis en plus. Ben, c'est du beau, hein. Alors maintenant on va chercher des dumudes. Ah ben vous savez peut-être me dire c'est un type quoi? Le Felbat. Type eau, type plante? Non c'est Attends il est ici juste à côté de moi le Felbat. C'est un merde. Truc sombre non? Je sais plus, j'en ai fait quelques-uns, mais... Le truc violet avec les deux roues qui s'entrelacent, c'est quoi ça? Merde. Détail... ténèbres. Ok. Ténèbres contre ténèbres. Pierre tissu, wow. Il faut que je refasse de la laine. Ah, j'en ai marre. De la laine. Toi, tu dégages. Mout. Hop. Bon, cette œuf là. Pas pour maintenant alors. Allez. Ok, ça c'est bon. J'ai 9h quoi.
laisse-toi capturer. Reste à peine 12 FF de vie. Et un Pokémon obscur en plus, c'est rien. Attends, si t'es derrière le mur, si c'est pas faire tes... Il est où l'autre? Oh putain, mais l'autre il est là-bas quoi. J'ai regardé le dernier film de Jason Statham là tout à l'heure. Le gardien. Avec le gars qui l'accroche à la bagnole avec sa ceinture et... Ouais. Ok, no spoil. La seule chose que je peux vous dire... C'est qu'il est bon, je sais. Voilà. T'as dit no spoil, alors je spoil pas. Non, non, très bon film. Et en même temps, c'est du Statham quoi. Au départ, honnêtement, je m'attendais à un gros navet ou très peu d'action. Ouais, moi, je l'ai un peu suivi le les discussions sur justement sur ce film-là. Et moi, moi Statham, j'aime bien. Tu sais, quand il y a du Statham, ça tape quoi. Ah. Eh ben là, franchement, je ne suis pas déçu de l'avoir regardé. Et je l'ai vu en très bonne qualité en plus. Oh, moi... Tout ce qui est téléchargement, c'est fini, ça. Ah non. Aucun téléchargement. Je l'ai regardé via l'IPTV. Ouais, ah ouais. Ouais, Nico m'avait déjà aussi dit ça, mais c'est bon, à force d'avoir tous les trucs là, t'as 36 000 télécommandes sur ta table quoi. Ah non, je n'en ai que une, allez, télécommande de la télé et de l'Unipi, c'est tout. Ouais, mais ici, grand fan de Netflix et tout le bordel. Netflix, Disney... Ouais, c'est de la boue. Ouais, j'ai déjà pensé à enlever la télé, le truc normal de la télé, mais j'ai dit oh non non. Ça va ou quoi? Et mon foot, fait comment Oui, tu sais le voir sur IPTV aussi. C'est bon, prendre un abonnement pour un an pour un truc qui peut être à tout moment être coupé parce que ça serait interdit en Belgique parce que bon, ça reste toujours interdit. Ouais. Malheureusement, mais bon. Proximus est en train de voir pour racheter. Hein. Donc, reste à voir maintenant. Des tomates, qui veut les tomates, qui veut de la salade? Hop là. Voilà, c'est qu'il faut vite le faire parce que ça pourrit très vite. Hop là. De quoi qui pourrit très vite, la salade? Ouais, la salade et les tomates quoi, c'est un enfer. Donc je l'ai fait, je le laisse dans la marmite et quand j'en ai besoin, je les sors. Au moins, ça périme pas. Merde. Un fusil à pompe est trop violent. Bon, ça fait de la laine, ouais. Le mout-mout.
Ok, ça fait la laine. Demain, on fera du tissu. On peut pas faire des tomates farcies par hasard, non? Non. Ah, toi, t'as presque fini les médocs. Oh non, ne me dis pas que t'es nouveau derrière le mur, espèce de tocard. Oh, je te jure, je vais t'achever. Hein. Ah ben, si je me mets derrière le mur, juste pour t'ennuyer. Oh bah ouais, mais putain. Mais ils sont relous à sortir du... Je crois que demain, je vais faire du Tarkov pour un peu me défouler, parce que... Sinon, ça va être un génocide sur Palworld. Il va tous les tuer. Il n'en restera qu'un. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et ça, on se croirait dans Highlander. Merci, Denis. Hein? On se croirait dans Highlander. Non, non, c'est... Denis Brognard. Koh-Lanta. Oh, qui c'est? Ouais, mais toi, comme toi, t'as pas de TV, je me dis, allez. Ouais, non, mais t'as bien fait de préciser, mais ouais, non, lui, je l'ai remis, c'est bon. Je savais pas qui disait ça. Et à la fin, il en restera qu'un. Merci, Denis. Ah, il manque plus que deux Hongyo. En même temps, je finis mes bestioles. Quitte à être là. Non, qui spawn là-haut, lui. Attends, parce que vous vont casser les couilles à sortir de cette map. Si ça va durer encore longtemps, hein, je vous le dis, hein, vous allez finir en saucisse. Ah non, c'est des piafs. En oiseau sans tête. Ouais, voilà ouais, que Sonderkopf. Ouais, je trouvais une bestiole qui donne de l'huile de palme à tous les coups. Ils sont un peu chiants à choper. Mais... L'huile de palme, les petites bouteilles flacons jaunes. Ouais. Ouais, je fais des Dumoud. C'est moins chiant. Des espèces de petites baleines là, qui sautillent sur la plage. Oh, oh, je suis. A chaque fois que t'en tues un, t'en as un. Donc, c'est plutôt ah, pas. Ouais, mais en vrai, que t'en tues un, t'en as entre 5 et 10. Ouais, c'est sûr. Bon. Je vais aller finir. Oh là, on t'a relâché, toi? Ah, ouais. Non. Il est là, le poulet. Je me suis dit, il est en psychiatrie, là. C'est ah, bon, non, hier, non. Il s'est fait enfermer. J'étais au cachot, j'étais voir un match et voilà, tu sais ouais. Comment ça se passe. Hein. Ouais, un match de curling. Ouais, c'est ça. Mmh. Non, je m'occupe de la petite parce que la petite est malade, madame est malade. Toi, donc, t'es malade. Peu... Ouais, je suis moins arrangé des droits. Bah non, parce que t'es malade de la tête. Oh, bah théoriquement, j'ai joué, mais seul, tu vois. Ouais, ça, je l'ai vu, hein. Ouais. Et moi, ça farm, hein, dur, sans que je fais rien, putain. Ouais, un social, hein.
Hein? Un social? Hein? Non, non. Comme maintenant vous avez mis des horreurs, à chaque fois quand c'est l'heure, je reviens vite fait juste pour relancer le jeu. Ah bah tous les jours on va changer les horaires, tu vois. Pour que ça forme quand je suis pas là. Tous les heures on va changer les. Moi je suis désolé, mais il faut que je termine ce jeu pour aller sur Ark et continuer mon aventure sur Ark. Il y a la marre, ça dure trop longtemps là. Moi j'étais là tantôt sur Ark et je suis reparti. Ah propre. Nickel ça. J'ai fait un aller-retour pour parce que je me dis, je fais s'il va pas dessus pendant 12 jours. Oh non, ça faisait 3 jours là, donc ça va. Ah, t'inquiète, je calcule mon temps. Non, mais nickel, non, moi je sais pas, je voulais le faire demain, mais au moins je sais que je suis pas obligé de le faire. Ouais, merci. J'ai fait des tours sur la map, aller sur la base, un peu dans au premier étage et tout, hop, et je suis reparti. Ouais, dis-toi, normalement tu dois même pas faire ça. Normalement, tu te cours et tu te découvres, c'est bon. Tu dois pas te prendre la tête si tu as pas envie. Comme ça, on pourra une fois aller sur faire du Tarkov en semaine. Je changerai les idées. Parce que j'ai envie de buter des montres. Il y a des bestioles ici qui me cassent les couilles. Des bestioles? Ouais, je suis en train de faire. Une orgie là, mais. Ah oui! Ils sortent chaque fois du périmètre et je vais chaque fois aller les chercher. Ah, moi franchement. Bon, là, j'ai pété devant mon écran, mais. Pas me plaindre, hein. Mais là, j'ai fait un truc là, ça a l'air de fonctionner. J'ai mis une toiture, une sorte de. Juste un truc de toiture. Et ça passe plus. Là, c'est à vous. Ça va partir capturer des légendes. Ouais. Là, je suis en train de faire un Phaléris. J'ai deux gros que j'ai mis ensemble maintenant. Attends, je suis en train de mourir. Tu veux faire des boss légendaires ce soir? Ah non, mais je vais enculer le jeu niveau 50. Je vais débloquer le lance-roquette. Je vais aller enculer tous les boss et à plus de ciao. C'est bon. Ah, parce qu'après ça, il y a quand même plus rien à faire. Donc. Au plus vite que j'ai fini ça, au plus vite que je peux retourner sur ton arc et aller farmer ce qu'il faut. Tu reviendras aussi vite, hein, ils ont annoncé l'extension de la map et des nouveaux boss. Ouais, mais t'inquiète, je reviendrai. Enigma, il sait plus où donner de la tête là avec tous les jeux. Ah ouais, non. Mais celui-là qui est le plus vite à torcher, c'est celui-là qu'on joue, donc je le dis. Ah, pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'il est court, mais comme dit Steve, à mon avis, ça va pas durer. Si je le torche, faut être intelligent, si je le torche, ça veut dire que quand les DLC vont sortir, je peux continuer d'où je suis. Donc j'ai moins de temps à passer dessus encore. Ouais, mais on va aller sur Tarkov, de toute façon. Ah ouais, ça aussi... Ouais, mais il y a tellement. C'est que des jeux de nos lives, il y a un problème. Moi, pour le moment, c'est compliqué. Moi, chez moi, tout le monde est malade. Ah, il va nous faire croire qu'il a une vie maintenant. Eh ben, bravo. Ah, bah, super. Il aura essayé de nous faire croire de tout celui-là. T'as à nous dire quoi maintenant que t'as des enfants, Ah, oui. je viens de le découvrir. Ah. Je viens de découvrir qu'il a des gosses, ils ont 15 ans. C'est ça. Ah non, ma jambe elle est pas bien. 4 gosses, 5 chats, 2 chiens. Non, attends, quand il va découvrir, quand il va être grand-père, ça va être chose. Et une madame. Ça commence à faire du monde. Non, madame elle est malade comme un chien donc. Ah bon? Ah merde, elle est malade aussi? Ah ouais, c'est pas une blague, la petite est malade. La petite elle a quoi, mon cœur? Une broncholite. Un rhinopharyngite. Et madame elle doit avoir un angine. Oh, Lucas ici, très chic. D'accord. Allez. Ah merde. Encore une fois. Mais pas madame, ce soir, ça ira mieux, tu vois. Ouais, bah oui, elle va prendre le jeu de... Elle me fait un fuck de loin. le jeu miracle. Mm-hmm. C'est bon pour la gorge. Ah bah oui. Ça garde la glisse. Donc là, je mange. Oh, tu me casses les couilles. Oh, tu me casses les couilles. Oh, je veux le buter. Je vais le buter. Le Phaléris de mes dieux là. Bon, chaque fois il me fait faire combattant là. Ah ouais, en plus, enfin j'ai les Pokéballs légendaires là. Aïe.
Et là, je peux pas le prendre parce qu'il est bugué. Mais nique. Hey, nique ta mère. Oh, c'est violent. Ah ouais, quand vous. Quand je suis à l'eau de passe, vous farmez comme des gitans, hein. Rien du tout, donc. Allez, bah je reste là le temps que je termine de manger. Parmi les cailloux. Le 14, c'est lui, le con, il est quoi? C'est lequel lui? Ah, tu vas me dire, ils sont tous les deux 14 comme par hasard. C'est lequel? C'est le mâle ou la femelle qui me fait chier? Tu vois, t'es une femelle qui fait chier. Bah. Ouais. Eh bah bravo! Ah bah ouais, sexiste, hein. Oh bah super. Ah, t'es pas en stream toi au moins? Bah si! Ah, merde. Ah, désolé, mais c'est des palmes. C'est ouais, ça. Ouais. Ah, on peut me croire, hein. Eh, ma femme, elle est malade, je m'occupe de tout à la maison, je fais la vaisselle et tout. Elle m'esclavagiste, là. Elle est dans son lit avec son fouet et elle me fait « Tu fais ça maintenant, fah, coup de fouet !» et voilà. Ouais, quoi. Toi, tu ferais rien du tout parce que t'aimes bien qu'elle te fouette. Ah bah oui. Oh non, mais non, c'est l'autre. Mais non, c'est le mal. Mais vous me cassez les couilles tous les deux. Oh là là. Ça, c'est un bug qui me casse les bonbons, je te jure. Ah. Vous avez fait quoi de main aujourd'hui? Oh, rien de spécial. Boulot. Ah ouais, il y en a que ça travaille dur. Hein. Ouais, j'ai joué, j'ai... Ouais. Je suis passé voir Steve en live pendant ma pause. M'ennuyer, j'étais tout seul. Ah, t'as stream? Ouais, comme d'habitude, midi 3h. Ah ouais, midi 3h, t'as eu l'heure de ma sieste. Bah ouais, ça. L'heure de ma sieste, 2h30. Le livreur d'Amazon là qui vient livrer la chaîne de mon fils, putain. Je te dis, hein. On fait du Tarkov et je fais un stream. Là, on va sur Tarkov. Oh non, non, pas maintenant. Hein. Là, j'ai rendez-vous, là, j'ai rendez-vous avec madame ce soir. Mais ça va ou quoi? Une semaine d'abstinence, c'est bon quoi. Chez moi, elle est pas malade, c'est t'inquiète. Elle a eu toute sa semaine de dose, elle risque pas d'avoir mal à la gorge, je te le dis. Hein. Ouais, non, nous on est tous malades comme des chiens, à part les trois grands. Mais non, pas le moudmout. En plus, j'espère pour eux qu'ils tombent pas malades parce que lundi ils partent aux classes vertes. Ah ouais? Ouais. Lundi, bon. C'est une semaine de congé? Hein? Ah, mais non, c'est. Lundi, ouais, c'est... mais oublie pas, chez toi ils vont au flamand donc ils ont congé. Moi c'est une semaine après. Ah, ils vont une semaine à la classe verte, puis c'est une semaine école, puis c'est deux semaines de congé. Oh, deux semaines chez vous. On est dans le même pays, mais tout est différent. C'est quand même c'est trop du cul. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, nous ils ont deux semaines de congé, mais là ils ont une semaine de classe verte, de lundi à vendredi, puis une semaine d'école. Et puis deux semaines de congé. Attends, je crois que je suis con là. Ah oui, je suis complètement con. Ils vont au Luxembourg. Ah putain. Ils vont à. L'école me casse tellement les couilles hein, que mon fils devrait normalement partir au mois de mars pendant 3 jours en Hollande. Ouais. Que je les ai envoyés chier. Ah ouais, ça part. Bon, ils sont chiants. Si c'est pour me casser les couilles pour qu'ils apprennent le chinois, c'est bon quoi. Oh oui, non. Oh ta mère, c'est trop bon les pâtes. Ah, ça y est, je pose ma fonderie électrique là. Oh, ça s'est déjà posé, c'est en train de farmer full là comme des porcs là. Bah, moi je peux plus hier. J'ai posé ça hier, je suis parti dormir. Voilà. Donc 10 minutes après toi, on va dire, entre guillemets. D'accord. J'ai posé ça, j'ai crafté full lago. 10 minutes plus de 3 heures en plus quoi. Ouais, t'es fou, ouais. Je au lit à minuit et demi. Vas-y, lâche tes yeux là, tu casses les bonbons, je te jure. Ils vont me faire tout déplacer, c'est con. Non, j'aimerais aller terminer les boss au arc là, c'est bon.
Regarde, Mick, ce que je suis en train de faire. Bah, faudrait peut-être mettre ton stream aussi. Bah, tu me laisses le temps, ouais. Ouais, mais bon. Parce qu'il est chiant, même quand il est pas malade, quoi. Bah, moi, tu me dis, hein, pour les boss de Arc, quand t'es prêt. Ça? Ah, ceux-là, ils sont stylés. Ça, production, regarde. Si je me trompe pas, c'est un légendaire, oui. Là. Et là. Ouais, il est stylé. J'ai voulu faire le boss parce que t'as un boss avec lui. 160 000 PV, il m'a défoncé. regarde leur passif. Ah, propre, hein. Donc là, je suis en train de faire des yeux. Des nœuds neufs. Un type, il aura jamais autant quitté fieu de sa vie, genre. Oh non, encore rien, ça. Vu tous les gosses que j'ai. J'ai la preuve. Ah oui. Oh. Donc là, maintenant, c'est bon. C'est de là, je suis plutôt à voir ce que je vais, ce qui va en sortir. Attends, t'en veux? Non, t'inquiète. Oh, ouais. Oh, t'inquiète, ça va. Ah ouais, t'es vraiment resté à ta base. N'empêche, tu sais trop savoir qui reste à sa base et pas. Steve, il est resté à sa base toute la journée, niveau 42. Non, même pas. Même pas? Bah non, t'aurais été sur mon stream, bah t'aurais vu que je faisais les boss. Ah, Trio! Ouais, je confirme, j'étais là. Merci, Trio. Oui, c'est là. Ouais, je confirme, et ah j'aime ouais, ça. Oh là là. Il y en a qui sucent le admin et il y en a deux qui sucent les streamers. Entre eux en plus. Deux streamers qui sucent. Bah oui. Trois streamers s'il te plaît. Ah toi aussi tu streams? Bah oui. Ah bah trois en plus. Oh là là. Ouais mais lui il stream sur YouPorn. Ah oui. Ah chacun son plaisir hein. Ouais, comme j'ai toujours dit, bah, rien me dérange. Tant que ça vous fait plaisir, ça me va. Regarde, ce gros œuf gelé, j'ai ça. Lui est à 100%, lui est à 0%. C'est parce qu'il est trop loin. Il est trop loin, je vais le foutre dans son huc, tu vas voir s'il est trop j'ai loin. C'est pour ça que c'est trop loin, c'est trois lignes. Trois lignes d'incubateur. Bah, à part quand il est devant. Un, deux, ouais, ça fait trois quoi. Ouais, mais il est mal mis. Il est mis sur le côté, c'est pour ça. Ouais. Là-bas aussi, hein. Je mets des œufs, tu vois les œufs dragons là. Les œufs de feu. Ouais. Trop chaud. Ils sont de ma gueule. Bon là j'en ai plus, ils sont tous vides. Trop chaud, je pense que parce que c'est fermé. Non, c'est que certains. Ça. C'est trop chaud pour certains œufs. Et pour certains œufs. Regarde là, ceux-là, voilà. Ah ouais, c'est pire qu'une femme, tu fais les trucs. Ouais, et là, ça, c'est bon. Ah, ça, plus ça, ah ben, ça, là, ça donne ça. C'est leur système, bon, je vais le dire comme ça, leur système est à chier pour l'instant, franchement. Ouais, pour le seul temps. Regarde, hein. Là, il est occupé à chauffer, voilà. 0%. Et lui là derrière, voilà. 100%, il est passé à 0. Ah, mais là voilà. Il chauffe plus. 100%, 0. Là il chauffe plus. Là maintenant, il est... non, là il est parti. Mais moi quand il arrête, ça dure encore une minute, ça reste à 100%. C'est bizarre leur système. Ah! C'est quoi? Hop là, Ragnarok. Encore un Ragnar. Ouais, du coup, au fait, Enigma, pour les fusions, parlant de Ragnarok, tu sais, ça fait deux fois là que j'essaie de faire un Ragnarok Noct. Et ça fonctionne pas. À chaque fois, j'ai les Relaxorus. Je pense que c'est une repro qui est pas possible. Oui, peut-être. Aucune idée.
Bah déjà, quand tu fais un œuf de Ragnarok avec un Elzéphir, ça te fait un œuf de dragon. Donc c'est assez louche et à chaque fois j'ai des Relaxorus à la place. Ouais, c'est bizarre. Donc je pense que c'est pas une repro prévue quoi. Oh non, c'est nouveau barré. Oh non, je me suis glitch, vraiment. Oh, c'est bon, j'ai assez donné, c'est bon, comme ça dégage. Mais j'ai marqué hein, comment il fallait faire si vous glitchez en dessous de la map. Hein. Ouais, t'inquiète. Ouais, j'ai réussi. Hein. J'ai visé la plage et puis. J'ai réussi à passer à travers le sable, j'étais pas très loin. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais la dernière fois, j'avais réussi à ressortir. Enfin, j'avais réapparu dans une montagne. La dernière fois. Et là, j'ai réapparu ce coup-là sous la map, quoi. Bah, j'étais au volcan. Ouais, bah tu te colles contre une paroi, n'importe laquelle, et tu jettes ton... Pardon. On parle. ton palme à travers le mur et tu sautes dessus. Ouais, je reviens. Préférence un pal volant qui reste au-dessus de l'eau, qui pas comme l'autre là. Allez. C'est lequel? Cuivern. Le cuivern quand il va dans l'eau il se noie. S'il n'a pas d'énergie. Non, je n'utilise plus le couillon. Il y a un moment que je l'ai rangé. Bon, ça c'est bon. On allait faire quoi maintenant? Ah oui. On allait essayer de faire un reptiro ice. Hop, on l'avait déjà préparé. Ouais, naturellement, il se couche, ce con. Ah, vous me cassez les couilles, allez dormir. Ah! Bon. Ouais, j'ai bien monté, je remets une petite là. N'empêche, en arrosage, ils sont forts. Hein. Éteins. Yes, ça se réveille. Oh, tu vois, toi. Non, toi, tu vas nulle part, toi. T'as un trop gros cul pour rentrer dans cette porte, toi. Hop, toi, tu vas là. Et toi, t'es où? T'es où? T'es où? Toi, je t'ai besoin. Je suis désolé. Ah, ce con, il a été glitché le truc. Oh, mais il est glitché en frigo et quand je veux le prendre, ben c'est le frigo qui s'ouvre. Viens ici, viens ici, viens. Et hop, ouais, et hop. Ah, Hop. ça fait plaisir de pouvoir faire des petits lingots de paluminium là. Hop. Ok, accouplement en cours. Allez, on y va. Quels sont les prochains? Hop, 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 hop. Essayer de faire un truc là-bas. Breeding. Qu'est-ce qu'on va prendre? Va changer de tenue.
Dictoise avec un Liline. Un Illifidran, bah c'est en là déjà je crois. Orsec. Alaxorus et Grisbolt. Ok, hop. Alaxorus. Alaxorus. Et un Grisbold. Comme là, j'ai ça. Ça c'est le next, ça c'est les parents de celui-là. On fait ça et après, finito. De chaque base. Ouais, naturellement, il y en a trois comme ça et j'en vois que un. Oh toi je t'ai... Toi je t'avais pas. Oh non je t'ai... Merci. Et où est-ce qu'il est? J'ai le top Christ là. Mais ils sont passés où? Ah c'est relou. Toi tu viens pas à ta base parce que tu crois que tout tourne bien et tu arrives et il y a le trois quarts de tes pales qui manquent quoi. Et il est là, il est dans le rocher quoi. Normalement il y en a trois. Il est où le troisième? Ok. Oh, ça raid. Oh non. Ah, unité de la recherche sur les jeunes. Putain, c'est les mastodons qui arrivent quoi. La porte est ouverte, ils peuvent rentrer. Ils vont être bien accueillis. J'ai 36 karatékites là. Les verdaches. Ils sont partis en pause, vous allez vite revenir moi les gars, moi je vous le dis. Putain, ils sont lourds en plus.
Wow, avec des quoi, Lunaris? Oh, c'est du niveau 39 qui attaque maintenant. Ah ouais. Ça monte crescendo, hein, les raids. Moi, ça fait quelques temps déjà que je me fais raid par des trucs de la lune. Wow, mais ça lag à fond, quoi. Ah bon? Moi, je joue pas de lag. Ah ouais, non, ici... Ouais, regarde, ils se font tous mettre KO, quoi. Et voilà. 20 gars, quoi, mais voilà. Tous mes serpents sont niqués. Ah, je vais commencer à mettre vraiment des machines de guerre, hein. Des grosses batteuses. D'abord ça attaquait tranquille, te pousse. Là c'est carrément des pelotons qu'ils avaient envoyés. Ouais, mais ouais, qu'est-ce que tu veux? Il y a 1, 2, 3, 4 écrans, la tour. C'est normal qu'il fait chaud ici. Hein. On était bon. Ah, Foxycle, quoi avec quoi? Bon. 8, j'avais fait. Oh, tout de suite. Ouais, de toute façon, je. Presque comme pour ce que j'en avais fait en dernier. Ouais. Zigoto, là. T'as vu un cerf, toi? On va aller faire lui. Je l'ai pas fait, puis je l'ai pas fait. Christ.
c'est vrai. J'ai avec, ça passe. Normalement, lui, il est là. Ah. Salut toi. Gros objet, il est presque fini dans une minute. On va prendre aussi. Et fume une clope en même temps. Et après. Arrête. Oh. Aujourd'hui, on a fait la demande pour savoir combien on reçoit pour la maison. Ouais, propre. Mmh. C'est faire un petit pack d'eau, là. Non, pour avoir un crédit pour acheter. Hein. Ouais, pour savoir à combien t'as le droit de crédit, c'est ça? Ouais. Chance que j'étais assis, mon vieux. À ce point-là? Ouais. 400 000. Ouais, propre, hein. Le double d'ici. Ah, moi j'ai directement commencé à regarder. Mais bon, on prendra jamais 400 000. Hein. À 400 000, t'as une villa à limite. Hein. Oh, Sibelix. Un Sibelix. 400 000 balles, t'as quasi une villa. Hein. Ouais, mais c'est simplement que. Ouais, bon, c'est par rapport aussi. 400 000 balles, il faut claquer 1700 balles par mois, quoi. C'est bon ça, oh, ça va. Eh, hey, calme hein. C'est clair. Donc moi je leur ai dit, écoutez, moi il me faut pas plus, moi il me faut quoi, c'est 220, plus l'argent que je fais ici en bénéfice, j'aurai une histoire de 300. Ça va. Et si je demande 220, ça revient à 900 euros par mois quoi. Ce qui est 200 euros en plus que ce que je paye pour un putain d'appartement de merde dans un quartier de merde, dans une ville de merde, dans un pays de merde. Ah bah ça fait beaucoup de merde. Hein. C'est... Ouais, c'est... Oh, t'imagines pas la vie de merde. Hein. Rien de mieux qu'une maison. Ouais, bah c'est pour ça qu'on maintenant, ici, je vais vendre l'appartement. Eh, franchement, moi comme j'ai dit, tant que j'ai des enfants, c'est maison. Mais je crois que j'ai plus de gosses, moi je retournerai en appart. Ah, plus jamais je retourne en appart. Moi je me casse d'ici, je meurs dans mon jardin. C'est mort. Non, mais j'ai... je veux dire par là, une fois que t'as, regarde comme moi, j'ai beaucoup d'enfants, mais ça sert à rien d'avoir une maison aussi grande. Là, que c'est là que tu vas profiter le maximum de ta maison et de ton jardin. C'est ça. Ouais, Moi, honnêtement, moi, regarde, j'ai habité pendant des années à la campagne, là, dans une maison. Je suis revenu en appartement, bah, depuis je suis tombé malade, dépressif, dépression, tout ce qui s'ensuit, toutes les merdes que tu peux t'imaginer. Moi, non, moi, je suis retourné dans une baraque, crevé dans une baraque, quoi. Là, je suis d'accord avec Trio. Hein. Ah ouais, non, mais c'est. Moi, j'ai fait la connerie de revenir dans une maison, putain, je m'en mords les doigts tous les jours. Dans un appartement, je m'en mords les doigts tous les jours. Ouais, idem, idem. Je m'en mords les doigts tous les jours de ne pas avoir pris une maison directement au lieu de me prendre un appartement avant. J'ai pris un appartement et j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû prendre un putain d'appartement. Easy peasy mon pote. Oh merde, le boss il est mort. Allez, tant pis. Oh, 43 minutes, bah, ce sera pour demain. Demain, on va faire encore plein de boss. On va essayer d'avoir des pièces trucs, là, les bougies. Celui-là, c'est fait. Bon, je vais aller me tenter Anubis. Hop. Tu l'as pas encore fait, du coup? Oh non, mais normalement, je vais lui rouler dessus comme un babon.
Mets-toi Anubis, mets un Anubis ici, à ça ici. Aux machines travaux manuels là. Ouais. Tu vas voir comment ils bossent. Ouais, ouais, je sais, ils bossent comme des fous, laisse tomber. Tu crois comment j'ai déjà quasi 200 Pokéballs légendaires. Ah ouais, ouais, ils cravent comme des zinzins. Hein. Ouais, surtout les Anubis, c'est des fous. Hein. Franchement, ouais, c'est bien cheat. Hein. Hop. On va faire Anubis. Ouais, et après, il me reste que les level 50 quasi. Oh, du Lego raffiné, il me faut. Demain, faire du charbon. Allez, on va dans le désert. On va aller le fumer. La daronne à lui. Ça ouais, vous arrive des fois quand vous tirez avec vos flèches que vous tirez deux flèches en même temps? Quand il y a un lag, ça peut arriver, mais. Oh, moi ça. Ok. Ah ouais? Ouais. Mais tu tires avec quoi? L'arbalète. Ah ouais? Bizarre. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, c'est bizarre. Et il t'achète quoi? Des one shot? Ouais, mais l'arbalète, ça, c'est vachement puissant. Moi, ça fait pas longtemps hein, que j'ai une arme à feu. Franchement, l'arbalète, elle a bien fait le taf. Oh, moi, j'aime bien, moi. Ah, moi, j'aime le petit gun, moi. Petit gun légendaire. Pépite. Moi, ouais, j'aime, j'ai toujours pas j'aime, fait. J'aime bien mon pompe, moi. J'ai toujours pas fait le petit gun. Ah ouais. Oh non. J'ai trop besoin de l'huile de... L'huile de palme, là. Polymère, ça. Mmh, il est où, là, l'épice? Il est là-bas. On va lui défoncer sa petite maman, et qu'on n'en parle plus. Hop. Mmh. Oh, bah, il y a la statue. On est type Olika. Il doit être d'ici. Il y a sa statue. Là, tu dois être au-dessus. Non, on va pas se fight dessus. Ce serait quand même bien. On peut être devant, non? Ah, il est là. Yo, mon pote. Ah, terre en plus. Ah, vas-y. Attends, j'arrive. Je suis pas très loin. À part que moi, c'est des tortues que je veux. Oh, tiens, attends, t'as pas qu'est-ce que... Ah, pas hydrocanon. Oh, yo, tu te TP, tu triches. Oh, punaise. Ah, c'est pas celui-là. Hop, c'est ce tenu-là. Comment ça, j'ai froid ici? J'ai la torche. Bon, on va remettre le t-shirt là. Oh, je vais retourner me faire un pingouin. Déjà. Oulou! Il a des pouvoirs de sang beaucoup, fieu. Fait pas peur. Oh, yeah, oui, c'est bien. Il a le... oh. Oh, là, bien joué. Bon, t'arrêtes. Gros canon. Oh, je vois un énorme dragon jaune. Où ça se fight? Ah bah ouais. Un épice. Allez, lève-toi parce que je vais mourir sinon. Oh, le dragon est mort. Allez hop, suivant. Oh,
Bon, et arrête, t'arrêtes de te TP, tu triches. Oh, non, non, non. Un bonhomme. Ouais, je peux tanker tes attaques. Fort, hein. Je sais, merci. Non, ça c'est... Il y a la chance que j'ai 2000 balles, hein. Bon. Quoi, il est toujours pas fait, Anubis? Non. Il y a beaucoup de PV, hein. Bon. Tout cas, crash. Ah, oh, c'est sympa, ça. Ouais. Ouais, en train de faire des impressions 3D en même temps. Ouais, il a plus qu'un PV. Allez, Pokéball. Je crois que c'est ça qui crash. Donc j'ai mis dans indépendant, j'ai envie de décès. Allez, c'est bon. Hop. Hop. Non, ça... Attends. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Il me faut formater mon PC aussi. Je crois que je vais faire ça cette semaine. Et voilà, Anubis et dame. Tu l'as eu? Ouais, ouais. Capturé tout. Ouais. Picobello dans la sacoche. Hop, et c'est fini. Hop là, voilà, mes salades, ça tourne, les salades, j'ai l'impression que ça fait que dalle. De les salades. Ah, ils travaillent plus vite. Pour eux, ils sont toujours en faiblesse. Ah non, moi non. L'autre, je le fais caramboler, il est en dépression, mais sérieux quoi. Oui. Bon, ça va, maintenant j'ai 70 injecteurs là, médicaments haut de gamme. Ah ouais, tu peux les piquer quoi. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ça sera demain, tu sais, ça sera plus aujourd'hui. Hop là. Là, je vais bon. TP. Là-bas, en face, il y a un TP. Pourquoi ça dépose de la laine ici? Ils sont relous à déposer n'importe où. On va aller là-bas. Attends, c'était où je voulais aller? Ah là. Ah non, d'abord aller faire celui-là. Il dit B là, parce que j'ai pas trouvé sa grotte l'autre jour. Elisabeth? Ouais, elle, c'est une grotte, on est d'accord. Hein, ah ouais. Ouais, c'est ça que je me disais bien. C'est le seul là qui me prend sur la main. Ouais, t'as l'autre place à mute, mais c'est 49. L'autre, c'est 50. Les deux légendaires là-bas haut, c'est 50. Il me reste que le Sigoto là. Je parie que c'est à gauche de la montagne. Pourquoi j'avais besoin des tissus? Pour réparer ton armure? Non. Je sais plus pourquoi j'avais besoin de tissus. Mais le problème, c'est que les tissus et les tissus de qualité, c'est pas les mêmes. Hein. Nope. Je peux pas les utiliser pour. Non. Hop, on lance la production.
Il est où Anubis? Anubis, il est mort. Hein. Non, le mien. Hein? Ouais, j'ai toute une famille, moi, ici. Attends, toi, dis-toi que j'avais 170 000 en thunes. Ah ouais. Pas 200 000, je pense. Bah, rien qu'en faisant ouais. les... Moi aussi. Rien qu'en vendant les pales que j'utilise pas, quoi. Ah ouais, ah, en même temps, regarde, l'autre fois, je l'ai fait, ça a pidé, ça, par contre. Tu es... Après, je vais les faire simplement les reproduire pour faire les 16 et les monter au max. Mais Anubis, quand tu le prends avec au combat, hein, il bug. Ouais. Quand il fait son attaque, là... T'as intérêt qu'il n'y a rien dans le chemin et que ça soit plat. Parce que le moindre petit caillou, il reste bugué sur le caillou en fait. Ah oui. Il va pas au bout de son attaque. Ok. Ah oui, mais c'était pour faire des... Les tissus, c'était pour... Les incubateurs. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai plus de pierre, quoi. Tellement que j'en ai utilisé. Merde. Que ça, ils ont fini. Ça, je peux lancer une production de ça. Là, c'est propre. Tu l'as trouvé du coup? Non, pas encore. La cherche l'entrée. Mais là, comme il fait nuit, peut-être je vais trouver plus simplement. Le caillou. Hop. Le caillou là. Ah, ici. C'est cette couture là. Ah, tu vois, mais genre mon titre là, les dragons, ils sont de nouveau buggés, quoi. À chaque fois que je reviens, ils sont hors map. Ouais, hors de la base, quoi. J'espère qu'ils font quelque chose à ça, parce que... Ben... Bon, c'est non. Bon. Hop, on prend les cailloux. On va là-bas, on va lancer la production. C'est pas là. Bon, je suis déjà trop loin, je pense. Non.
qui essaie de choper un papillon. Ouais, j'essaie de finir la série, mais le problème c'est que je tape trop fort, je sais pas si t'as vu. Avec une botte de baseball. Ah bah ouais, parce que j'ai que ça de faible, alors. Attends, j'ai peut-être encore l'arbalète qui peut me dépanner, mais. Oh. Moi, c'est pour ça que je prends toujours mon arc triple là, comme ça au moins. Je l'ai fini des fois à l'arc triple, comme ça je suis sûr que je ne mets pas des coups fatals quoi. Ouais, c'est ça parce que. Je prends un truc vraiment moins puissant pour être pour la finir quoi, des fois. Voilà, il m'en manquait pas beaucoup alors. Ah putain, j'ai trouvé. Ouais, on va exploser l'abeille. Essayer de finir mes robins kill en même temps. C'est bon. Ouais, ça travaille. Ouais, Anubis, c'était trop tard. Cours comme Naruto, mais t'es lent, hein, mon gars. Allez. Let's go. Hop. Oh, donne-moi ton œuf. Donne-moi ton œuf, bébé. Oh, bébé. Je veux une omelette, like you. Ouah. Pardon. Oh là, très rire. Je pars en sucette, moi. Bon. Vas-y, défonce là. Du 100%. Tu vois, Mikri, ah bah non, tu vois plus. Attends, je l'ai tué, si je le capture au moment que je l'ai tué, je me tape une barre. Ok, le jeu est bégué. Regarde. Tu l'as quand même capturé, c'est ça? Oui. Tu vois, il est à 100% pour ça. Ah ouais. Et il y a personne, hein. Ouais, je cherche pas à comprendre. Ils sont tous à 100%. Regarde. J'ai tué le boss, mais pendant que je l'ai tué, ma Pokéball était partie. Marc, j'ai tué le boss, mais je l'ai capturé quand même. Normalement, elle est morte, tu vois, mais bon. Je vais pas me plaindre, hein, mais. Donc, qu'est-ce que j'ai encore comme boss à faire ici dans ce coin? Bonjour. Qui c'est qui dit bonjour à qui? Ben j'ai des Lavender qui viennent m'attaquer. Ah. On a fini cela. Je sais, on change de tenue direct. Si je me rends dingue. Attends, quand j'ai construit ici, j'avais toujours des robins kills pour venir me casser les couilles, et maintenant que j'en cherche, y en a pas? Non mais oh. Putain, mais ça. Ouais.
calme, Steve. Calmate. Ouais, mais le samouraï là, rosage en cours, il part en. Il part en sucette. C'est Lucas, les médicaments sont pas faits pour être bons. Hein. Mais c'est qui a construit un village ici? Ça appartient à quelle tribu ça? Ouh, aligné comme ça, ça sent Enigma qu'a joué les maniaques. Où ça? Là. T'es sûr que c'est pas chez moi? Je sais pas, bah, tous les cas, c'est... C'est chez toi. C'est chez Steve, ça? Ouais. Ok. Je reconnais par rapport au fer. Ah bah si, ouais, t'es là-bas. Je vois. Tiens, Robin, qui est le droit devant? Ah bah, c'était mon ancienne base métal ici. Mais ça m'a cassé les pieds, j'ai déménagé. Il y a du charbon, il y a du soufre. Ouais, il est bien. Toi. Non, 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 putain. Non, je l'ai pas tué, coup de bol. Non, mais en vrai. Yes. Ah, tu vois, j'en ai encore besoin. Voilà, comment il s'est TP lui. Pokéball. C'est pas exactement le même endroit où j'étais. Alors. Les pingouins, je les ai tous. Et quoi, tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Bien sûr. Qui ça? Yes. Le pigeon qui vole, ah bah y'a plus. Il vient de te piquer un œuf. Oh là. Merde, putain! Dieu, c'est sacré! Je vole trop bas! C'est moi qui l'a pris! Je vole trop bas! Hop! De toute façon, maintenant qu'il y a, il y a plus de monde sur la map, j'ai quand même codé les coffres et les portes, quoi. De quoi, de chez toi? Oui, oui. Ouais, ouais, c'est juste que je volais trop bas, j'ai ramassé du métal que tes mecs ils farment. J'ai pas envie de m'alourdir, je suis pas en train de farmer. Du coup, je te l'ai relargué. Les gars ils vont ranger. Hop. Ah bah super. De quoi? Ça aurait pu la déposer devant la caisse au moins. Mmh. Je l'ai posé au milieu de tes pales pour être sûr qu'il ramasse. Ouais, bah voilà, ouais, t'aurais pu le poser. Ouais, vous le ramasser, c'est souvent moi-même qui le fais, hein, je te le dis. Hein. Ah. Eh, moi ce matin, je suis resté AFK sur la base à métal là. Oh, de 7h du matin à midi, quasi 20 000 de métal qu'ils ont farmé. Oh, bien. Ah ouais, j'ai beau. En même temps, j'ai 8 cailloux. Ah, moi aussi. Je sens que je vais faire un petit tour à son camp. J'ai 8 cailloux de métal, un caillou de soufre. Ça farm. 1, 2, il est où le troisième? Moi j'ai une idée, mais ça va pas te plaire. Non, il est pas dans mon huc, non. Ah, j'ai. Mais ça me saoule qu'il.
Mais c'est toujours des grands pales, les grands pales qui déconnent. Ouais. Ouais. Et les pires, c'est les boss. Ouais. Je confirme. Quand tu utilises les palmes des boss, oh, t'as envie de les flinguer. Regarde, lui, il est là, mais il fait quoi? Il fait quoi, là? Ben, fait dodo. Mais oui, mais... Il a rien à foutre là, quoi. Mais Yann, mais... Oh, je sens que je vais m'éclater ici. Ah bah tu vois, regarde, il est là-bas. Voilà. Ah, il est bugué dans le mur. C'est con. Il était déjà dans la neige. Dès que tu prends un peu trop grand, hein, c'est... Ça bug. Ouais, c'est affreux. Eh, Nico, il a changé ta base? Non, il a la flemme. Tu m'étonnes. Et ça le saoulait apparemment. Quand on l'entendait parler là tantôt. Ouais, ça le gavait. En plus, il devait tout retransporter et tout le passage. En même temps, faut avoir la foi, on passe à... Moi, j'ai déjà fait 3 fois. Pareil. Et honnêtement, si je me trouve un autre spot, je recommence. Hein. Trouve un autre spot, je suis reparti. Hein. Oh, j'ai trop la flemme d'avoir déménagé. Oui, c'est quoi ça? Ça a l'air trop bien. Des cryolynx. Bah oui. Vas-y, viens que je te capture. C'est trop bien ça. Ça fait ça a 3 ou 4 en glace. J'en ai un à la base et en plus ça farme la pierre aussi, et le métal et tout. C'est bien, j'ai des bons Pokéball, donc normalement je vais pas galérer. Ouais, Non, Cryolynx, c'est une bonne bestiole. Voilà, coupe de la gueule. Hop. Ouais, c'est bon. Ça vaut le coup de se le faire, lui. Ça, c'est fait. Ça, je peux en faire combien avec ce coquille mort? Dringo. Tiens, je vais faire du charbon demain. C'est bon. Il y a un boss, je vais aller me taper. Ouais, Wupu, tu crois que j'ai peur ou quoi? Tiens, Pokéball. Contre Garonne. Quoi? J'ai dit dedans. Bon, bah encore une balle alors. Hop. Ah, une Cléonore. Cool.
Bon, je viens de buter Elfiran, hein, donc si vous voulez le faire, faut attendre un peu. Il saoulait, il était dans le passage. Alors. Enfin, je l'ai pas buté, je l'ai tamé, mais bon, le problème est le même pour vous. Dommage. Niveau technique du futur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça te donne des points de technologie. Ah. Ok. Ouais, c'est comme les fruits là. Tu vois, ceux-là, fruits fulgura, éclair horizontal. Ouais. Ça donne 16 CT et 75 en force. Ouais, c'est les attaques. Ouais, utiliser ça un poil pour lui faire apprendre éclat draconique, tu vois. Ça c'est à utiliser sur un pal pour lui faire apprendre éclair horizontal. Là j'ai même un épique à utiliser sur un pal pour lui faire apprendre inferno. Pour 120 c'était 40. C'est pas cela. Ça y est, j'ai tous mes robins qui est là. Ouais, les floppy, c'est bon, je crois que j'en ai assez tamé. Utiliser sur un pote pour lui faire apprendre laser noir. J'avais complètement pété les plombs avec les floppy parce que c'était mignon, j'en avais tamé 17. Parce... Ouais, quand même. Oui, je trouvais ça joli. J'étais dans la zone, j'avais besoin de passer un level en plus. Du coup, comme c'était mignon, j'en ai fait plein. Du miel 2003, c'est bon. Non. Alors. Ah. Attends, mais celui-là, tu vas me dire qu'il est en train de me foutre de la laine partout quand il y a une caisse juste à côté. Oh putain. Ah ouais. Anubis, tu vas finir au chômage, je te le dis. Oui. De toute façon, papa va arrêter. Oh, je peux plus utiliser mes armes. J'ai trouvé un shiny Gelclaw là. Ah, Shiny Gelclaw dans la boîte. Me demande si je l'avais pas déjà, le Shiny Gelclaw. Pourquoi ils viennent déposer cette laine là? Il y a une caisse juste à côté, quoi. Bon, on va se décorer ici. Quoi,
Oh, je piche pas leur... leur système de drop, tu sais, je te jure. Clinton. Ok, ça c'est une volt. Il manque un Mozanda en vrai. Il un beacon. Un... On va aller chercher un Mozanda. Ouais, j'ai trouvé un diamant. Trop bien. Le Zephyr, j'ai dû le faire lui. Ah, c'est pas les bons Pokéball. Oh, merde. Faut qu'on se rende bien. Ouais, c'est pas mal. Oh non, ok. On va le faire. Oh. Eh merde. Hop, hop, voilà. Regarde, il faut jouer celui-là. Wow, je sais pas. Tu veux me donner ton compte ? Quoi ? Tu veux me donner ton compte ? Donner mon compte ? Ouais. Ouais. Pas dormir. Tu. À l'école. Bon, t'inquiète pas que demain, ça te rile là, tu sais. Hein? Non, rien. Tiens, fais quelque chose de bien pour ton père. Mets ça déjà à la table. Merci, champion. Hop. On cut déjà ce côté-là. Hop, ça se cut. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va mettre sur Netflix? Netflix. Ah non, ça va, c'est bon, je sais ce que je vais regarder. On va regarder quoi? Ouais, l'agence touriste. Ouais, ah non, mais oh loulou, attends, non, j'ai plus trouvé. Oh loulou, je suis fatigué. Il va regarder le gardien. Oh là là. Le les derniers Indiana Jones là. Où Harrison Ford est plus vieux que les reliques qu'il récupère. Ouais, c'est... Ouais. Oh là, c'est bon. Mais c'est officiellement, c'est le dernier volet. C'est le dernier. Il serait temps. Putain. Ouais, ils ont pas trop tiré... Je te dis, les reliques qu'ils récupèrent sont plus vieilles que... Il est plus vieux que les reliques qu'ils récupèrent. C'est comme le les derniers Rocky, là, quand ils sont c'est nul. Ouais, moi j'ai bien aimé les crits. Les crits sont pas mal, hein.
Ouais. La même chose avec Terminator. Ouais, pareil, je suis pas accroché du tout. Non, moi, quand tu vois le truc, quand tu m'as dit le vieux, là, l'attente sur le live. Je crois que le pire dans mon échelle de Terminator, c'est Salvation, quoi. Ouais, mais là, il vient pas dedans, je crois. De qui? Il vient. Schwarzenegger, il vient pas dedans. Ah non, il est pas dedans, c'est l'histoire de Connor dans le futur, quoi, mais Ouais. Ouais. celui-là, c'était la cata, quoi. Ça dérègle toute la. Mais après, le dernier qui est arrivé où il y a la Sarah, la mère de John, et avec celle qui joue Game of Thrones, où ils viennent dedans. Mais tu vois là, tantôt quand t'es venu sur stream, quand tu m'as. Le vieux, là, hein? T'as Oui. eu, un, t'as eu un petit, une petite image qui a fait, tu vois, avec son doigt. Oui. Ben normalement, il y a une voiceline qui vient dedans, qui vient de Je l'ai. Terminator, le Honnêtement, dernier. je l'ai un peu trouvé chelou quand même parce que le Terminator que tu retrouves dans les bois en train de couper du bois, tu retrouves en bûcheron au début, j'ai eu un peu de mal quoi. Hein? Bah, tu parles de celui où il y a l'espèce de Sarah Ben oui, il Connor lâche qui vient vieux sauver mais pas deux gamins? obsolète, quoi. Oui, voilà, ouais, bah au début, Sarah Connor, elle va le rechercher dans une forêt, il est devenu bûcheron, le machin, quoi. Il habite dans une cabane dans les bois, enfin. Ouais. C'était un Allez, je vais me le peu. tendre. C'était C'est un parti. peu Super. chelou quand même, quoi. Ben, dis-toi que le truc que je t'ai mis là tantôt avec le fuck sur le live, normalement, il y a la voiceline qui vient dedans, vieux mais pas obsolète. D'accord. Ça, là, j'ai trouvé ça tellement bien. Ah ben, voilà, tiens. Ça, c'est bien dit. Vieux mais pas obsolète. Demande ça à ma femme. C'était ça. Ouf. Il y en a bien qui sont jeunes et qui sont C'est déjà sûr que obsolètes, c'est hein. mieux que vieux limite pourri, quoi. Enfin, mûr limite pourri, c'est clair. On est vieux mais pas obsolète, on est sur un truc sympa. Bah, moi j'en connais qui sont jeunes et déjà obsolètes, hein. Ouais, Karim. carrément. Oh, je suis occupé avec un boss là. T'as 14 000 PV. 14 000 PV avec Frostalion. Du fait Frostalion là? Enigma? Ouais, j'essaye quoi. Ça va être long, mais ouais, j'essaye. Moi, c'est les tours que j'aimerais bien me faire. Oh bah si Oh, les t'arrives tours, à c'est bien. le faire, tu le croises Mais j'en ai avec déjà fait deux. un. Tu de quoi des Frostalions? Non, les tours. Ah oui. Ah, moi j'ai fait la tour de feu, il m'a défoncé. Ouais, celle au-dessus du volcan là. Ah ouais, il m'a allumé. Là, franchement, tellement qu'il m'a allumé, à la fois je me suis laissé tuer quoi. Bon, et Je voulais dire quelque chose, mais Aïe! C'est bien, on va faire 10-10 de dégâts. Loulou, doucement. Sauf que mon arme va péter avant que je l'ai tué, quoi. Mais je trouve que tu reçois pas assez de loot quand tu tues ces boss là, dans la tour. Ah non, celui-là, ah oui. Les boss dans la tour, tu reçois que de. Ben, là, tantôt, je l'ai fait. C'était pendant le stream, hein, que je l'ai fait. Hein. Ouais. Ouais. Et ben, j'ai rien reçu. Ah oui. C'est-à-dire. Ah oui. Putain, oui, j'avoue, tristesse. Ah oh non, rien du tout, hein. Que dalle, hein. Moi, j'ai fait que le premier pour l'instant. Je suis pas retourné dans les tours. J'ai un peu zappé, Ouais, faut dire. celui-là de glace, il est pas mal. Il est facile. Que je Oh le teste. là là. En fait, il y a moyen que je termine, mais ça va durer, hein. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Oh là, tu vois pas tu regardes pas ma guerre. Ok, je comprends. C'est pas ma guerre. Ouais, c'est Ah marrant, je l'ai senti arriver celui-là. là. C'était pas ma guerre, colonel. Ouais, je vois, je vois. Ah, mais ça reste quand même toujours ses meilleurs films. Ah non, mais je dis pas le contraire. Moi, ce que j'ai Ah du mal, ouais. c'est avec les nouveaux, ils ont trop tiré sur la corde, tu vois. Enfin. Ouais, c'est surtout qu'ils ont trop tiré sur les rides.
Oh ouais. Bah du coup pour le coup les rides ils ont peut-être pas assez tiré quoi, ils l'auraient un peu lifté encore, je dis pas mais... Ouais mais ça va, sur Netflix il y a un reportage là sur Stallone, et là même sur Schwarzenegger, très intéressant. Franchement, tu vois d'où ils viennent ces gars, ils se sont toujours, même hors plateau de tournage, ces deux-là ils ont toujours été, ils se sont toujours battus entre eux en fait. Pour être meilleur, l'un est meilleur que l'autre. Stallone est meilleur que Schwarzenegger. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, je sais, ça a toujours été la guéguerre. D'ailleurs, j'adore dans. C'est très bon, pote. Hein. T'as déjà vu le film avec Schwarzenegger, l'Axe Action Hero? Oui. J'adore, il y a un moment. De verre. Ouais, il y a un moment, ils vont dans un vidéoclub et c'est Stallone qui joue Schwarzenegger. Qui joue ouais. Terminator, pardon. Ouais. Ça m'avait fait délirer quoi. Il lâche une vanne là-dessus. Mais il a jamais été meilleur que dans ce film. Ah ça y est, mon camp est amélioré au maximum les gars, on pourra pas aller au-delà du level 20. Ouais, je sais. Ah bah d'accord, ok. Dis-le si. Dis-le si je t'emmerde. Non mais oh. C'est comme dans un truc hein, évasion où il joue à deux dedans. Oh putain, hey, à mourir de rire celui-là par contre. Ah celui-là moi je me tape des barres. Tu vois le dessin? Avec quand il est en train de dessiner là pour l'autre. Ouais. Oh comment j'explose de rire. Ah, non, ou bien bah, que l'un sort la vanne de l'autre. Ah ouais non c'est trop ça. Je reviendrai, I'll be back. Je reviendrai. Et t'as Schwarzenegger qui répond ouais. Là-dessus. Il sort une vanne, mais je crois que c'est une vanne de Rocky. Mais ils se sont toujours battus. Même en dehors pour être meilleur l'un de l'autre, mais c'est des très bons amis. C'est des très bons amis parce que quand Stallone a perdu son fils, Schwarzenegger était le premier à être là pour le soutenir. Je savais même pas qu'il avait perdu un fils, moi, tu vois. Oui, hein, Josh, ben, c'est vrai qu'il joue, le Rocky 5, le petit, son fils dans Rocky 5. D'accord. Le petit gamin. Bah c'est son fils hein. Et puis il a joué dans le où il joue dans le tunnel là qui Daylight. Ah ouais putain. Et il fait partie des prisonniers son fils là dedans. Il est décédé d'une leucémie il me semble. D'accord. Ouais. Et bah tu vois. Josh Stallone il me semble. Ouais je crois que c'est Josh Stallone. Oh, moi j'ai toujours bien aimé ces deux acteurs. Hein. Ils ont toujours fait des terribles bons films. Eux deux, c'est une génération. Hein. Oui. Avec avec l'autre là, Texas Ranger. Walker. Ouais. Chuck Norris. Steven Seagal aussi. Il y avait toute une. Ouais, non, mais il y avait toute une petite bande comme ça à l'époque. C'était l'époque, ouais, Nico. Ouais, du film Nico. Moi, un de mes films préférés de Stallone, je suis pas très Stallone, mais un de ceux que j'adore, c'est Judge Dredd. Judge Dredd, ouais, le dernier là avec Karl Urban, c'est de la merde. Le dernier quoi? Judge Dredd. Ah oui, ils en ont refait un autre. Ouais. Ouais, mais. Ils sont dans une tour. Ah ouais. Oh non, le premier il était stylé quoi, j'aimais bien. Moi j'ai bien aimé Demolition Man. Ouais aussi. Ouais. Sandra Bullock et l'autre là, c'était pas mal. Et Wesley Snipes, ça c'est waouh. Yes, ça. Premier boss de la tour éliminé. Celui-là j'ai kiffé comme acteur, Snipes. Le Griswold, ah, ouais. Toi là celui-là qui a fait Blade. Ouais. Ouais. Blade et fouf. Et quoi encore, ouais, des films, c'est des bons films. On va dire entre guillemets, Blade, c'est. Ouais, ça l'a. Wow. Ça l'a explosé, quoi. Les Blancs ne savent pas sauter. Avec Woody Harrelson, ouais, où ils font. Ou joueurs de basket, là. Ouh. C'était pas mal non plus. Ah, oh, huile de pain de qualité, j'en ai besoin. C'est cool. Et bien sûr, celui-là qui a l'Alzheimer maintenant. Et ça. Bruce Willis, hein. Ah ouais? Ah oui, il est oui, il est fini, hein. Il est atteint. Il est atteint, hein. Il est très mal, hein.
Ah, lui, il est top en plus, hein. Il est tellement bien. Ah non, non, lui, c'est... C'est pas Alzheimer qui est la Bruce Willis, il est atteint de démence. Et il habite en Bretagne maintenant, il habite en France. Ouais, et... oui, parce qu'une des meilleures cliniques pour ça est là-bas. Ah d'accord. Oui. Et ouais, il est vraiment de démence, il perd la boule, quoi. Ah ouais. Il est tombé dans un piège de cristal, quoi. Oh. Excellent, excellent. Il die hard, quoi. Ah ouais, putain. Ah bah ouais, alors, ça y est, on le tient plus, quoi. Ah, il avait fait des films bien. Ah oui, bah oui, ça... C'est clair. Bah, Die Hard, le premier, hein, Piège de Cristal. Cinquième élément, Mon voisin le tueur aussi, j'adore ce film. Ouais, avec Matthew Perry. Ouais. Ouais. Quand il se prend la baie vitrée, là. Putain, mais c'est tellement drôle. Matthew Perry, il a dépassé la ligne blanche. Sinon, je vais revenir. Il se barre au coin, il se prend la baie vitrée, je suis mort de rire à chaque fois. Je m'en remets pas, moi, de ce moment. Hein, ah ouais, mais il y a des moments dans les films... Matthew Perry, il a dépassé la ligne blanche, hein, le pauvre. Ouais, bah oui. Oh là là. Mort d'une overdose. Ah. C'est quand ils ont trop d'argent. Ah ouais, il a dépassé la ligne blanche. Ah ouais. C'est parce qu'ils ont trop de pognon, ils savent plus quoi en faire. C'est le ride de trop. Oh là là. Ouais, mais en même temps... Je me moque, hein, mais franchement, c'est tout des... C'est tout des icônes du cinéma, hein. Et t'as... On en a nommé plein, mais il y en a un seul qu'on n'a pas nommé, hein. Je vais en faire un nom, hein. Oh non. Ah non, lui, il est top. Il va me dire qui, Alain Delon ? Non, la Belge. Ouais, j'étais sûr qu'il parlait de Van Damme, ouais. J'étais sûr. On en a discuté hier, ça va, c'est bon. Van Damme, il est pas wallon. Faites chier. Ah, ouais, il a fait des bons films aussi, hein. Hier, là, les deux zigotos, là. Oh, il est wallon. Hein ? Quoi ? Wallon ? Van Damme ? Non, on n'a pas dit ça. Ah si, Trio, oui. Si, c'est moi qui ai dit ça. Trio, il a dit, oui, il est wallon. Hein ? Là, il est pas marocain, là ? Mais non, il est de Berkem. Ouais, c'est pareil, je... Ah ouais, marocain. Tu l'as pondu d'où, celui-là ? Ben, ah non, j'ai dit les maroliens. Ah. Maroliens, c'est les marols, c'est les... Ce que tu disais en semaine à Greg, c'est le bas-fond du bruxellois. Ouais, c'est non, où j'ai vécu, moi. Ouais, c'est où t'as vécu, là. Ouais. Mais il est pas marolien, pour autant. Il a vécu, là. Oh, moi je suis touriste. Non, Van Damme, il est de Berkem. C'est ce que j'ai dit hier. T'es des phrases de culte là tout le temps, fieu. Un zinzin, fieu. Dans 50 ans, il y aura plus d'eau. Profitez-en. On est away. Ouais, mais bon. Rester away. Aussi, il a fait des bons films. Il était il y a quelques mois à la Comic-Con à la Tour et Taxi. Ce connard, rien que pour faire une photo avec lui, il demandait 300 balles. Putain, j'ai voulu l'insulter. Oh là, 300 balles. Tu vas nous faire payer 300 balles pour prendre une photo avec toi, ça va ou quoi? Oui, il est cintré, lui. Oui, il est surtout cintré. Et quand il est venu sur Ever, là, on a pu faire des photos. Il m'a fait, tu veux pas une photo avec moi? Non, je t'aime pas. Et il t'a fait aïe. Non, il m'a fait t'es cash. Ben ouais, ben quand j'aime pas, désolé. C'est comme ça, c'est ma nature. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'étais au mariage de sa sœur, qui était juste en face de chez moi. Vous voulez sortir une vanne, mais elle était tellement, elle est pourrie. Non, je me suis pas tapé sa sœur. Non, allez dire tu lui as pas fait un enfant. Ouais, c'est peut-être une des seules, hein. Vas-y, tiens, chef. Il va mourir. Ah ouais, là.
il va mourir sur une vente pareille, quoi. c'est quand même dommage, quoi. Et du coup, est-ce qu'il va mourir au wear? Je suis pas sûr. Oh là là. Ah. D'ailleurs, Trio et à Greg, ma mère, elle, à l'époque primaire, début secondaire, elle sortait avec lui. Hein. Ça aurait pu être mon père, putain. Oh oui, nowhere, quoi. Ben, moi, sa fille, je la connais, hein, Bianca. Hein. Bianca, je la connais, hein, sa fille. Hein. Elle venait donner des cours dans ses clubs à Berkem. Ben, celle-là, il fallait pas lui dire un mot de travers parce que je te jure, tu finissais. Elle t'aurait remis à sa place. À sa place? Ah, parce que sa fille aussi, elle fait des arts martiaux. Ah oui. C'est. Oh oui, oui. Oui, oui. C'est familial. Oui, c'est. Regarde le. Mais regarde ça. Pas quand t'es en stream, mais regarde. Unka. Sur mon. Partage d'écran. Partage d'écran. Ouais, c'est vrai que sa fille, elle est calme. Ça s'appelle comment t'as dit Bianca. Je l'ai partagé sur mon. Sur le Discord. Ah ouais, ok. En live, comme ça tu dois pas faire la recherche. T'es vraiment. C'est pas le raté, hein. Ah ouais. Ah ouais, putain, elle est taillée comme papa, quoi. C'est. Ouais, c'est papa, hein. Son homme, il peut marcher au carré, là. Ouais, il est là. Mais au début, regarde. Avec Schwarzenegger. Elle était avec lui, non? Non, c'est son parrain. C'est son parrain, Schwarzenegger. D'accord. Mais elle, je la connais, hein. J'ai discuté avec elle sur Facebook et tout ça. Ouais. Mais. Jean-Claude Van Damme, on va voir ici, ça dit quoi? Date et lieu de naissance, tu vois, Berkem Saint-Agathe. Et normalement, son vrai nom, c'est Jean-Claude Van Warenberg. Tu vois, Bianca Brie, Christophe Van Warenberg, Nicolas Van Warenberg, ça c'est ses fils. D'accord. Et sa sœur, Véronique. Et tu vois que l'Inter Slict. Elle était pourrie, mais. Ah bon. mon dieu. Tu vois, une commune de Bruxelles, Berkem Saint-Agathe. Oh là là. Ah ben regarde Bloodsport. Ben, ça, c'est le film qu'il a lancé, hein. Bloodsport, c'est le film qui a lancé sa carrière, hein. Ah, moi je suis admiratif du côté sportif de ce mec là, mais je suis désolé, mais niveau comédien, je trouve que c'est une catastrophe. Non, il fait des bons films. À part dans le film, là, je sais pas si c'est Bloodsport ou pas, mais il y a un film où il interprète un militaire là, qui s'enfuit pour participer au comité. Ouais, Bloodsport. Ouais. C'est Bloodsport celui-là? Ouais. Et Kickboxer aussi, pas mal. Bah, Kickboxer, tu vois, j'ai bien aimé.
Mais j'ai adoré, j'ai plus aimé celui où tu sais, il y a le gars de notre belle famille là. Putain. Tu sais, dans Kickboxer, il y en a un qui joue son frère à un moment et c'est le gars qui joue dans la série de notre belle famille. Avec Patrick Defil. Ouais, Denis Alexio. Ouais, c'est possible. Ouais, Eric Sloan, ouais, Eric, ouais, qui joue son frère là-dedans, ouais. Et ouais, lui j'aimais bien quoi. Ouais, ça va, il a joué des bons films, hein. Time Cop et tout ça, pas mal. Double Impact, ouais, bof, ça c'est. Universal Soldier était pas mal. Double Team avec Dennis Rodman, pas mal du tout. Karate Tiger, l'histoire avec Bruce Lee. Il est même plus vieux que Bloodsport, putain, c'est même avant ça. Bon. Cyborg, Street Fighter. Ah, Universal Soldier aussi, j'avais bien aimé. Ouais, il est pas mal celui-là. Hein. Avec Dolph Lundgren. Ah, ouais, mais j'ai envie de dire à tes souhaits, mais. Dolph Lundgren, bah, le russe. Ah, c'est lui, Rocky. D'accord. Ouais. Je les connais pas trop, hein. Et celui-là qui joue dans Kickboxer, t'as un Belge encore là-dedans. Attends, c'est qui? Celui-là qui joue Tompo. C'est vrai que ça couette. C'est un Belge aussi, hein. Mec, mais ici, Michel Kissi, Tompo. Tu vois, belgo-marocain. Tu vois qu'avec sa queue de cheval, le frère de Abdel Kissi. D'accord. Qui joue aussi dans Bloodsport. Et l'histoire de Michel Kissi, c'est que le producteur avait dit à Van Damme, écoute, pour Kickboxer, je dois avoir quelqu'un avec du charisme et tout. Et il dit, ouais, mais je connais quelqu'un, Michel Kissi, un très bon combattant. Oh, le producteur, ouais, non, il est hors de question, je le veux pas dans mon film, laisse tomber, c'est un gringalet. Ok, ça va. Ouais, le temps passe. Il redit à Van Damme, ah ben t'as trouvé quelqu'un. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui est dans l'avion, il arrive. On doit aller le chercher à l'aéroport. Ok, le producteur va avec lui. Il dit, et il vient d'où? Il dit, bah tu verras. Et il voit Michel Kissi descendre de l'avion, il fait, ah non, hein. Ah non, hein. Non, pas ça quand même. Il fait, écoute-moi, laisse-le faire son entretien, et tu verras. Le gars enlevé sa veste, sa chemise, le producteur a fait, c'est bon, fais le signer. Ah oui. Ouais. Il avait travaillé pendant 6 mois sur sa corpulence, et c'était devenu un monstre. Et il a dit, ah ouais, ouais, vas-y, c'est bon, on le fait signer. Et ils l'ont fait signer, et c'est devenu un des meilleurs films, hein. Kickboxer après Bloodsport, c'est un des meilleurs films de Van Damme. Hein. Et c'est les deux très bons amis, hein. Ils se connaissent très bien, les frères Kissi sont très très amis avec Van Damme, hein. C'est des amis très proches quoi. Et ça c'est mon frère qui m'avait appris ça, parce que mon frère était grand fan de tout ce qui est MMA et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Bon, t'as fini ton combat, c'est bon. Ouais, il y a déjà une heure, tu vas me dire. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Amusez-vous bien. Ça marche. Bonne nuit, c'est. Des bisous. Ciao, ciao. Ouais, bisous. Je vais aller me faire à manger. Tu manges pas de bon? Je sais pas encore.
Ah ouais. J'hésite entre une pizza, me faire un spaghetti bolognaise, des macaronis jambon fromage, une lasagne. Oh, que de bons trucs, hein. Ouais. Que des trucs que j'aime bien. Ah ben ça. Mes congélateurs sont remplis que de ça. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Ça ouais, marche à toutes. Ah ben non, voilà tous les deux, mon lapin. Alors. Eh ouais. Je devrais jeter celui-là. Hop. Et...
De quoi? Non, je requitte parce que mon arme il bug. Ah. Attends, c'est un jeu qui se lance très vite.
Allez, encore un panking. Ouais, tant pis. Qu'il est lui.
Je reviens. Merci.
Ouais, c'est de se faire le boss de glace. Ce serait peut-être temps. Pétalia, ça. Ouais. Ouais, je me disais aussi. Putain, toi aussi? Ouais, Putain, je venais juste de rentrer dans le boss de glace, quoi. J'ai vu la cinématique et plus rien. Mais il est pas l'heure que ça redémarre en plus. C'est le serveur qui a planté là. Ouais. Hein? Je pense bien que c'est le serveur. J'ai envoyé un mail, un enfin j'ai ping Nico, mais bon bah ça va être le moment d'aller se faire un thé, hein. Je reviens.
au poulet. Je sais pas si c'est encore un problème de mémoire ou... Ouais, le problème c'est vrai, il n'y a que Nico qui peut savoir ça. C'est dommage qu'ils puissent pas mettre un deuxième admin entre guillemets sans filer ses codes. Parce que moi je serais capable de le redémarrer mais... Non, enfin oui, enfin moi ou n'importe qui, on s'en fout, mais c'est vrai que ce serait, oui, de toute façon moi je bosse, donc du coup ce serait peut-être un peu plus chiant, mais ouais, ce serait limite pas mal quoi. Bon, oui, il y a juste un bouton maintenant. Avant c'était chiant sur Nitrado, moi je sais que sur Arc, quand j'avais mon serveur. Fallait aller dans les commandes du jeu et faire une commande avec un slash restart à la fin pour que ça redémarre le serveur. Mais maintenant, je crois qu'il y a un bouton directement pour démarrer. Je crois qu'il y avait ça quand. Tu sais, le dernier serveur là que j'avais, le 7D, je crois qu'il y avait un bouton directement. Je me souviens plus trop, mais. Et t'as vu, c'est vraiment bizarre parce que. Ben moi, je sais pas si t'as remarqué ce truc-là. Mais j'ai l'impression que ça plante surtout quand on est que tous les deux. Ça plante même la journée, tu vois. Ouais, parce que je sais pas, à chaque fois qu'on se retrouve à deux, il n'y a pas de plantage quand on est à 4-5 sur le serveur. Et on se retrouve à deux, là, ça fait deux soirs de suite que ça plante à ce moment-là. Ouais, même la journée, ça plante. D'accord. Non. Mais on va pas se mentir, je serais sûrement couché. Ouais. Moi, j'attends encore 2-3 minutes. Ouais, c'est con, je voulais finir en beauté par un boss. Je sais pas ce qu'on pourrait faire parce qu'il a déjà ajouté de la RAM. Enfin...
que ça vient du fait qu'on construit trop, peut-être? Après, c'est bizarre parce qu'on construit pas des trucs de dingue, puis on est limité à 3 bases chacun. Donc. Moi, sur mes 3 bases, j'en ai qu'une qui est construite. Les autres, maintenant, j'ai juste lâché un bâtiment pourri. Un pour le métal, un pour le charbon. Et puis... Ouais, je sais pas. Ouais, ça me semble compromis, hein. Bon, je reviens, je vais aller fermer le live. Bon, bah voilà, comme vous avez pu le voir, hein, comme vous avez pu le voir, bah, ça a planté. Donc bah, pour ce soir, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On fera le boss demain, du coup. Et puis voilà, n'oubliez pas de follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Et waouh, pourquoi mon image elle est dégueulasse? Ah, c'est ma caméra qui a du mal à faire le point. Ok, et du coup, bah, oubliez pas de follow la chaîne. Et si vous regardez la vidéo en replay sur la chaîne YouTube qui a le même nom, il y a plus de 700 vidéos qui peuvent vous intéresser sur plein de jeux différents. Et puis, bah, ma chaîne principale aussi, hein, toutes les chaînes se trouvent donc en bas à droite du live. Hop, je vous les remets. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Voilà, voilà. Allez, ciao.